Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Berthierville en ce 6 mars 2023, il est 19h30. Nous sommes en présence de tous les conseillers, ainsi de Mme Dubois, directrice générale et greffière. Alors, je constate qu'il y a quorum. J'officialise la séance. Petite annonce avant de commencer, rapide. Vous savez que depuis l'année passée, on vous parle de schéma d'aménagement, de refaire toute la réglementation d'urbanisme. Ben, dans 10 jours, le 16 mars, nous invitons la population ainsi que les promoteurs à venir participer à cette présentation, à la présentation, dans le fond, du schéma d'aménagement du territoire qui va nous être présenté par la firme d'atelier urbain. C'est à 19h30 au centre communautaire. Donc, il serait bien de peut-être vous annoncer votre présence. Demain, je pense qu'on va envoyer toute la documentation là, de toute façon sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Et c'est quand même un changement majeur pour la ville de Berthier. C'est la présentation à la population de ce qui a été fait par la firme Atelier Urbain. Évidemment, nous avons participé activement à cette ébauche-là. Donc, je pense que c'est quelque chose de très, 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 très intéressant. Alors, j'invite la population à venir assister à cette présentation. Aujourd'hui, en C, adoption de l'ordre du jour, présenté par Mme Fontaine. Alors, considérant que tous les membres ont pris connaissance du projet d'ordre du jour, je propose l'adoption tel que présenté. Merci beaucoup. Et c'est appuyé par? Je l'appuie. Mme Lebrun, j'en appelle au vote à ma gauche. À droite. Adopté à l'unanimité. D1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2023. Mme Fontaine. Considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 6 février 2023 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est disposée d'en faire la lecture. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 6 février 2023. Merci beaucoup, c'est appuyé par là. Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Alors, à droite. Alors. Adopté à l'unanimité. Présentation des comptes et du registre des chèques, M. Lair. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement des diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées à la liste du journal des achats préparés et déposés en date du 3 mars 2023 par le service de trésorerie, totalisant la somme de 551 444 $. Merci, c'est appuyé par. J'appuie. M. Darvaux, j'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Adopté à l'unanimité. Engagement de crédit, M. Lair. Considérant que dans le cours normal des opérations et de l'administration de la ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services, en conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses détaillées à la liste datée du 3 mars 2023, déposé par le service de trésorerie, totalisant une somme de 126 474 $. Merci. Désolé pour l'interférence. Vous appuyez pas? J'appuie. Monsieur Darvaux, j'en appelle au bas de ma gauche. Adopté à l'unanimité. J'ai une présentation de l'état des activités de fonctionnement. Donc, les membres du conseil attestent du dépôt de l'état de l'état des activités de fonctionnement en date du 27 février 2023, déposé par le service de la trésorerie. Je ne sais pas comment c'est bien. Nous arrivons au point H, résolution d'intérêt général. Donc, H1, fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection, affectation pour l'exercice 2023. Considérant que par la résolution numéro 2022-02-029, la ville de Berthierville a conformément à l'article 278.1 LER M, constitué un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection, considérant qu'en vertu de l'article 278.2
LERM, le Conseil doit, après consultation du président d'élection, affecter annuellement au fond les sommes nécessaires afin qu'il soit suffisant l'année où on doit être tenu, l'année où doit être tenue la prochaine élection générale pour pourvoir au coût de cette élection. Considérant que le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal au coût de la dernière élection générale ou de celle précédant cette dernière, selon le plus élevé des deux, sous réserve des mesures particulières prévues à la loi pour l'élection générale de 2021. Considérant que conformément à la loi et après avoir consulté la présidente de l'élection, le Conseil a fait à ce fonds un montant de 27 303 $. En conséquence, je propose d'affecter au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection un montant de 6 826 $ pour l'exercice financier 2023 et que les fonds nécessaires de cette affectation soient puisés à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci, c'est admirable. Sylvain Destrampe. Monsieur Destrampe, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. J'avais compris que c'est mettre l'argent de côté en prévision. H2, Hôtel de Ville, travaux d'aménagement, octroi de contrat. Donc, vous savez qu'on a fait des travaux ici, on fait des travaux en haut maintenant, on commence cette semaine. Alors, il y a des contrats qui sont octroyés. Monsieur Frenière. Considérant qu'il y a lieu d'effectuer des travaux à l'Hôtel de Ville pour moderniser la salle de conférence ainsi que d'ajouter deux bureaux supplémentaires pour répondre aux besoins du personnel. Considérant que la ville de Berthierville bénéficie d'un montant de 177 277 dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, le programme, et que le budget 2023 prévoit un montant pour défrayer la somme des dépenses encourues, considérant les plans réalisés par la firme Crystalline Design pour l'aménagement de la salle de conférence et de deux nouveaux bureaux, en conséquence, je propose d'octroyer les contrats nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement de la salle de conférence ainsi qu'à l'ajout de deux bureaux tels que prévu au plan déposé par la firme Chrysalide Design, à savoir les constructions Tremblay et Laplante, travaux supplémentaires au coût de 12 427,91 $, plus les taxes applicables tels que détaillées à la robe de service datée du 3 mars 2023 et Gérard Brunel Électrique Limité. Remplacement du panneau électrique et travaux connexes au coût de 13 686,27 $, plus les taxes applicables telles que détaillées à la robe de service datée du 23 février 2023. Merci, c'est appuyé par. J'appuie. M. Darvaux, j'en ai pas le vote à ma gauche. À droite. Adopté à l'unanimité. H3, Union des municipalités du Québec, assise annuelle 2023, donc le congrès de l'UMQ, dont. Nous sommes trois qui participeront. Alors, M. Frenière. Je propose d'autoriser la participation de M. Dominique Perrault, M. Pierre Lahaye et Mme Sylvie Dubois aux assises annuelles 2023 de l'Union des municipalités du Québec qui se tiendront du 3 au 5 mai 2023 au Hilton Lac-Lemay de Gatineau au coût par participant de 820 $ plus les taxes applicables. De confirmer que les frais de déplacement, d'hébergement et de repas seront remboursés sur présentation de pièces justificatives conformément au règlement numéro 911-1 établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la ville de Berthierville. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Madame Lebrun, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. En H4, ministère des Transports du Québec demande l'intervention sur le réseau routier. Monsieur Darvaux. Considérant la détérioration importante de la chaussée, les routes 138 et 158 traversant la ville de Berthierville, dont, entre autres, une fissure importante sur plus de 1 km, générant des conditions routières. considérant l'affaissement de plusieurs regards pluviaux sur ces routes, sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec, rendant la circulation routière dangereuse pour toutes les signalisations et catégories d'utilisateurs. Considérant que la route 158, avenue Gilles Villeneuve et rue de Bienville, ainsi que la route 138, avenue Notre-Dame, sont les artères principales de circulation traversant la ville de Berthierville, faisant l'objet d'une circulation importante générée par de nombreux commerces et industries et par sa nature de ville de centralité. Considérant que les tronçons routiers
font l'objet d'une circulation importante de transit en circulation de la traverse maritime située à Saint-Ignace-de-Loyola, considérant les nombreuses plaintes des citoyens et des usagers à l'égard de l'état désuet de la chaussée, causant des bris coûteux de véhicules. Considérant la nécessité que le ministère des Transports du Québec procède dès la fonte des neiges aux réparations des routes 138 et 158 situées sur le territoire de la ville de Berthierville, en conséquence, je propose de demander au ministère des Transports du Québec de procéder incessamment aux réparations de la chaussée et les affaissements des regards fluviaux des routes 138 et 158 traversant la ville de Berthierville. Merci d'appuyer, Pat. Je l'appuie. Madame Lebrun, j'en appuie au vote à ma gauche. Au revoir. À ma droite. Au revoir. Adopté à l'unanimité. H5. Ministère des Transports du Québec, accès au pont de la rivière Chaloux. Je sais que ça, c'est un point qui est très, très important. Et on doit faire une résolution pour réitérer notre demande auprès du MDQ. Mais très bientôt, là, on va entamer des démarches et pour parler. J'ai quand même bon espoir d'avoir des appuis dans cette scooter. Donc. Donc, monsieur Girard, il est là pour ça, dans le fond. Donc, je demande à monsieur Darvaux. Considérant que le ministère des Transports du Québec a fermé en avril 2016 le pont de la rivière Chaloux, situé à l'entrée ouest de la ville de Berthierville, brisant entre autres le trajet du chemin du Roi et de celui de la route verte. Considérant les nombreux impacts pour la population berthelaise, les travailleurs, les touristes et les usagers de la route verte, considérant que la fermeture de ce pont oblige une déviation de la circulation par la rue du Dr Olivier-Marie-Gendron, artère en grande partie résidentielle et institutionnelle, dont la configuration n'est pas conçue pour un volume important de circulation et pour le transport lourd. Considérant que le pont de la Dominion Bridge datant de 1925 est détaillé à la fiche 91 de l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de l'Autriche, réalisé en 2012 et classé avec une mention supérieure et une valeur d'authenticité et d'excellence. Considérant que le pont décrit à cette même fiche se veut une propriété du gouvernement du Québec et qu'il est de sa responsabilité du propriétaire d'entretenir le dit bien, considérant que le chemin du Roi est désigné comme route touristique sur une distance de 280 km, reconnue et signalisée, représentant la richesse du patrimoine de la Nouvelle-France, considérant que la fermeture de ce pont enlève un pourcentage très élevé du dynamisme touristique et économique de notre ville, en réduisant le nombre de visiteurs et nuit directement à l'atteinte de nos objectifs de revitalisation de notre centre-ville. Considérant que le chemin du Roi qui longe le fleuve Saint-Laurent-Berthierville mérite une circulation sans détour en raison de ses attraits diversifiés, dont les maisons ancestrales. Considérant que plusieurs démarches ont été faites auprès des instances du gouvernement du Québec pour ce pont, dont la transmission, entre autres, de résolution 2019-06-165, 2021-12-282 et 2022-04-113. En conséquence, je propose de demander au gouvernement du Québec de prendre des actions concrètes pour que le chemin du Roi et la route verte, qui se veulent touristiques, soient rétablis à l'entrée de la ville de Berthierville à court terme, que le pont de la Dominion Bridge, le P01137 du MTQ, jonchant la rivière Chaloux, inscrit dans l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Dautry, soit entretenu par le propriétaire, en l'occurrence le ministère des Transports du Québec, et réouvert à la circulation à brève échéance. Que cette résolution soit envoyée au ministre des Transports du Québec, à la ministre de la Culture et des Communications, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi qu'à la ministre du Tourisme et députée du comté de Berthier. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, j'en avais le droit à ma gauche. Favorable. À droite, favorable. Favorable. Adopté à l'unanimité. Petit mot rapide là-dessus. Les considérants sont assez exhaustifs. Je pense que c'est pas la première fois qu'on le fait. On peut pas, il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ça, je crois, mais je pense que c'est important et il faut s'attaquer à cette, ce petit défi-là. H6, conversion du réseau d'éclairage public au LED, très bonne nouvelle, économie d'énergie à venir. Donc, Mme Lebrun, prenez un grand souffle, une gorgée d'eau. Merci.
Considérant que l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes prévoit qu'une municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités, si après FQM, une entente ayant pour but l'achat de matériel ou de matériaux, l'exécution de travaux ou l'octroi d'un contrat d'assurance ou de fourniture service par la FQM au nom de la ville. Considérant que la FQM a lancé un appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL incluant l'installation et les services éco-énergétiques et de conception, si après l'appel d'offres, au bénéfice des municipalités qui désiraient participer à l'achat regroupé en déboulant. Considérant qu'Énergère Incorporée a déposé la soumission ayant obtenu le pointage le plus élevé et s'est vu adjuger un contrat conforme aux termes et conditions de l'appel d'offres de la FQM. Considérant que la Ville a adhéré au programme d'achat regroupé découlant de l'appel d'offres puisqu'elle a conclu une entente à cette fin avec la FQM en date du 17 juin 2022, si après l'entente. Considérant que la Ville a reçu d'Énergère Incorporée, conformément aux termes de l'appel d'offres, une étude d'opportunité qui a été raffinée et confirmée par une étude de faisabilité datée du 5 décembre 2022, décrivant les travaux de conversion des luminaires de rue au DEL, ainsi que leur coût n'excédant pas les prix proposés à la soumission déposée par l'Énergère Incorporée, tout en établissant la période de récupération d'investissement, l'étude de faisabilité. Considérant que l'étude de faisabilité fait également mention de mesures hors bordereau, s'ajoutant au prix unitaire maximum soumis par l'Énergère Incorporée dans le cadre de l'appel d'offres. Considérant que les frais découlant des mesures hors bordereau doivent être engagés pour des prestations et ou biens supplémentaires devant être fournis pour assurer l'efficacité des travaux de conversion et sont afférentes à des conditions propres à la ville. Considérant que l'ensemble de ces mesures hors bordereau constituent des accessoires aux prestations devant être rendues par Énergère Incorporée dans le cadre de l'appel d'offres et n'en changent pas la nature, et doivent, par conséquent, être considérés comme une modification au contrat en vertu de l'article 6.9 de l'appel d'offres et de l'article 573.3.0.4 de la loi sur les cités et villes. Considérant que la Ville est satisfaite des conclusions de l'étude de faisabilité et accepte d'octroyer et de payer à Énergère Incorporée les mesures hors bordereau prévues ci-après en tant que modification au contrat, considérant que la Ville désire effectuer les travaux de conversion de luminaires de rue au DEL ainsi contracter avec l'Énergère Incorporée à cette fin telle que je le entend, considérant que la Ville autorise la réalisation des travaux de conversion de luminaires de rue au DEL visés par l'étude de faisabilité, en conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil autorise la réalisation des travaux de construction découlant de l'étude de faisabilité, que le Conseil est autorisé à octroyer un contrat à Énergère Incorporée afin que soient réalisés les travaux de conversion de luminaires de rue au DEL et les services connexes prévus à l'appel d'offres et à l'étude de faisabilité reçue par la Ville, que le Conseil approuve la réalisation et le paiement des prestations supplémentaires prévues à l'étude de faisabilité ci-après énoncée et devant être traitées à titre de mesure hors bordereau. Conversion de deux luminaires HPS 150 watts sur la route MTQ par des luminaires DEL 136 watts au montant de 1372 $ sous réserve de la confirmation du MTQ. Remplacement de 16 fusibles excluant les portes fusibles au montant de 864,48 $ étant entendu que ces données sont estimées et que la Ville établira le montant payable en fonction du nombre réel de fusibles remplacés. Remplacement de 45 portes fusibles simples sur fût municipal, incluant le fusible, au montant de 4705,65 $, étant entendu que ces données sont estimées et que la Ville établira le montant payable en fonction du nombre réel de portes fusibles simples remplacées. 22 câblages pour tout bois, munis seulement, au montant de 1725,46 $, étant entendu que ces données sont estimées et que la Ville établira le montant payable en fonction du nombre réel de câblages remplacés. Un luminaire éloigné au montant de 392,13 $. Stockage d'inventaire au montant de 829,91 $. Signalisation, véhicule d'escorte plus deux signaleurs au montant de 1742,80 $. Honoraire pour études photométriques, luminaire MTQ, les ingénieurs juniors, au montant de 1212 $. Sous réserve de la confirmation du MTQ. Honoraire pour études photométriques,
luminaire MTQ, ingénieur intermédiaire 3-7 ans, au montant de 444 $ sous réserve de la confirmation du MTQ. Que Mme Sylvie Dubois, directrice générale, soit autorisée à signer, pour le compte de la Ville, un contrat avec Énergère Incorporée en utilisant le modèle prévu à l'annexe 4 de l'appel d'offres, sous réserve d'adaptation et tout addenda concernant la réalisation des mesures hors bordereau prévues à la présente résolution, et qu'elle soit autorisée à accomplir toute formalité découlant de l'appel d'offres ou de ce contrat, tel que modifié par addenda, le KGM. Que le Conseil est autorisé à débourser une somme de 121 816,46 plus les taxes applicables découlant du contrat, tel que modifié, conclu avec Énergère. Que la dépense visée par la présente résolution soit acquittée par une appropriation à l'excédent non affecté. Autrement dit, on va économiser de l'argent. On va faire un investissement d'environ 125 000, on va économiser environ 25 000 par année, ce qui veut dire qu'au bout de 5 ans, bien là, on va continuer à économiser pendant des années. C'est appuyé par? Mais veux-tu relire avec Monsieur Frenière. C'est appuyé par Monsieur Frenière, donc je l'appelle au bas de ma gauche. Adopté à l'unanimité. H7. Immeuble situé au 1380 rue Notre-Dame, désignation d'une fourrière en vertu du Code de la sécurité routière. Madame Leroy. Considérant que la Société de l'assurance automobile du Québec a mis en œuvre des dispositions réglementaires relatives à la saisie et à la mise en fourrière des véhicules routiers, considérant que ces dispositions du Code de la sécurité routière sont entrées en vigueur le 1er décembre 1997, considérant que la Ville de Berthierville peut désigner une fourrière pour la garde des véhicules saisis, considérant qu'une telle résolution n'engage pas la municipalité à utiliser les services de pièces d'auto à Chambert, considérant que pièces d'auto à Chambert pourra desservir entre autres la Sûreté du Québec et Contrôle routier Québec, SAQ, en conséquence, je propose que le conseil municipal désigne pièces d'auto à Chambert, propriété de Ghislain et Éric Dupuis, à opérer une fourrière d'auto au 1380 Notre-Dame à Berthierville et de demander l'inscription au fichier des fourrières reconnues par la Société de l'assurance automobile du Québec pour le territoire de la ville de Berthierville. Que pièce d'auto à Chambert devra se conformer aux exigences de la Société de l'assurance automobile du Québec, dont notamment les règles de bonne pratique contenues au guide de gestion des véhicules saisis produits par la Société. Que les installations de pièces d'auto à Chambert devront être conformes aux règlements en vigueur dans la municipalité. Que la Ville se dégage de toute responsabilité quant à la conservation, à la garde, au vol, au vandalisme des véhicules routiers saisis. Merci, c'est appuyé par. Chacun. Mme Fontaine, le nouvel au reste de ma gauche. Favorable. Adopté à l'unanimité. H8, distribution de compost. Des bonnes nouvelles, ça. Saison 2023, donc. Comme à l'habitude, on va distribuer du compost. Donc, ça annonce le printemps, ça annonce le beau temps. C'est tant mieux. Je n'ai pas noté, c'est proposé. Considérant qu'en fonction du contrat de traitement des matières organiques que la MRC de Dautré a avec la plateforme de compostage EBI, un retour de compost de l'ordre de 30 % des tonnages de matières compostables collectées dans l'année précédente est disponible annuellement, représentant 52,26 tonnes métriques en 2023 pour la ville de Berthierville. Considérant que la ville de Berthierville désire mettre à la disposition de ses citoyens le compost auquel elle a droit, en conséquence, je propose d'autoriser la distribution aux résidents de Berthierville des 52,26 tonnes métriques de compost qu'ils pourront se procurer au stationnement du parc du Chenal du Nord le 20 mai prochain. Merci, c'est appuyé par. J'appuie. La Fontaine, j'en vais au bas de ma gauche. Favorable. Adopté, unanimité. H9. Groupe en toute amitié, projet de relocalisation du centre de service. Monsieur Darvaux. Considérant la lettre datée du 14 février 2023 déposée par le groupe d'entraide en toute amitié, ayant pour objet une demande de donation du parc Vaudreuil en vue d'un projet de devenir propriétaire d'une construction neuve pour desservir leur clientèle, considérant que le bail actuel de l'organisme, situé au 170 rue Sainte-Foy à Berthierville, prend fin en juin 2024, et qu'un comité a été mis en place afin d'évaluer les options de relocaliser et les aider à trouver une solution durable pour l'organisme. Considérant que lors d'une rencontre tenue le 27 février dernier avec le conseil municipal, les représentants du groupe d'entraide ont présenté l'état de leur démarche relative au projet de relocalisation de leur service
et ont fait un rappel de leur mission dans la communauté. Considérant que les membres du conseil désirent valider auprès du procureur de la ville la faisabilité de certaines options ainsi que les aspects juridiques, et ce préalablement à la prise de décision. En conséquence, je propose de mandater Maître Philippe Asselin de la firme Morancy Société d'avocats pour obtenir un avis juridique à l'égard des aspects juridiques et la faisabilité d'une donation aux cessions de terrain en faveur du groupe d'entraide en toute amitié pour une dépense n'excédant pas 5 000 toutes taxes incluses. Merci. C'est appuyé par J'appuie. Monsieur Frayal, je n'avais pas de ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. En résumé, on nous a approché pour voir si on pouvait, si on pouvait céder un terrain pour que le groupe se construise une bâtisse neuve. Puis là, on est en train de faire les démarches pour voir qu'est-ce que ça pourrait impliquer pour nous. Donc, nous reviendrons avec une décision prochaine. H10, entretien paysager 2023, octroi de contrat. M. Lavaux. Considérant l'offre de service datée du 21 février 2023, déposée par la compagnie au Jardin Pierrot, à l'égard de la fourniture de services reliés aux entretiens paysagers et arboricoles de certains sites et parcs municipaux saison 2023, considérant que la dite offre inclut également la fourniture de plantes annuelles de terre ainsi que la main-d'œuvre pour aménager les îlots de certains parcs et sites municipaux tels qu'identifiés en 2022, en conséquence, je propose d'octroyer au Jardin Pierrot le contrat relatif à la fourniture de services reliés aux entretiens paysagers et arboricoles de certains sites et parcs municipaux saison 2023 au coût de 6 995 $, plus les taxes applicables telles que décrites à leur offre de service datée du 21 février 2023. D'octroyer également au Jardin Pierrot le contrat relatif à la fourniture de plantes annuelles, de terre ainsi que la main-d'œuvre pour engager les îlots de certains parcs et sites municipaux au coût de 15 707,42 $, plus les taxes applicables. Merci. Alors, c'est dans l'idée de rendre notre ville de plus en plus belle. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en avais le droit à ma gauche. Favorable. Favorable. Adopté à l'unanimité. À Chambre. Chambre de commerce et d'industrie de Berthier. D'autres tournois défi entreprise 2023, c'est un tournoi de hockey, donc demande d'aide. Alors, M. Frenière. Considérant la demande datée du 23 février 2023, présentée par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, relative à la tenue d'un tournoi de hockey défi entreprise 2023, prévu du 10 au 12 mars prochain à l'Arena Joinville-Rochette. En conséquence, je propose d'accorder gratuitement 4 heures de location de glace à la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, ainsi que l'utilisation gratuite de la salle François-Desrosiers dans le cadre du tournoi de hockey Défi Entreprise 2023 qui se tiendra du 10 au 12 mars prochain. D'autoriser la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré à faire une demande de permis pour la vente de boissons alcoolisées durant la tenue du tournoi. Merci, c'est le pays par Mme Fontaine, j'en appelle au droit de ma gauche. Adopté à l'unanimité. H12, personnel étudiant pour les 40 jours pour l'été 2023. Monsieur Vignon. Considérant la résolution numéro 2023-02-036, confirmant l'embauche des personnes salariées étudiantes pour l'animation de 40 jours et autorisant le recrutement d'étudiants supplémentaires afin de répondre aux besoins du camp pour la saison estivale 2023. En conséquence, je propose d'autoriser l'embauche des étudiants énumérés ci-dessous à titre de personnes salariées étudiantes pour l'organisation et l'annulation de camp de jour 2023 pour la période se situant entre le 26 juin et le 18 août 2023, et ce, aux conditions prévues à la convention collective en vigueur, à savoir Brian Gilbert au poste d'assistant coordonnateur pour un maximum de 40 heures par semaine, Stéphanie Cormier-Thibert et Amélie Moreau à titre de monitrice pour un maximum de 40 heures par semaine, Laurence Ferland et Alexia Perrault à titre d'animatrice, d'accompagnatrice, monitrice pour un maximum de 40 heures par semaine et d'autoriser un maximum de 48 heures permettant la préparation, la planification et la formation, et ce pour la période se situant entre le 13 février et le 25 juin 2023. Merci, c'est David Hébert. On t'aime, j'en avais au bas de ma gauche. Favorable. Adopté à l'unanimité. 40 jours, saison 2023,
Donc, H13, M. Fragan. Oui, considérant que la ville de Berthierville désire déterminer l'ordre de service du camp de jour pour la saison 2023, considérant qu'il y a lieu de prioriser l'inscription aux enfants résidant sur le territoire de Berthierville et par la suite attribuer des places aux résidents de Berthierville dans le cadre du programme Accès loisirs. En conséquence, je propose de confirmer que le service du camp de jour pour la saison 2023 soit d'une durée de 8 semaines, débutant le 26 juin et se terminant le 18 août 2023, et qu'il soit offert aux enfants de 4 ans ayant complété leur maternelle 4 ans à 12 ans. D'offrir le service de garde avant et après l'animation journalière, soit de 7h30 à 9h et de 15h30 à 17h. De fixer un maximum de 5 groupes par semaine, tout en respectant les ratios émis pour l'Association des cadres du Québec selon l'âge des enfants. D'autoriser une période d'inscription en 3 temps, à savoir du 3 au 16 avril 2023, période d'inscription réservée seulement aux enfants résidant sur le territoire de Berthierville. Du 17 au 21 avril 2023, période d'inscription ouverte également aux enfants de Berthierville pour les places attribuées dans le cadre du programme Accès loisirs. Et finalement, du 24 au 28 avril 2023, période d'inscription ouverte également aux enfants non résidents pour les places restantes. Merci, c'est appuyé par Mme Fontaine, Jean Lavalois à ma gauche. Adopté à l'unanimité. H14, Association de soccer de Berthier 2020 Inc., saison 2023. Considérant que l'Association de soccer de Berthierville 2020 Incorporée a déposé certaines demandes pour la saison 2023, en conséquence, je propose d'autoriser la contribution de la ville de Berthierville pour la saison 2023 de l'Association de soccer de Berthierville de Berthier par l'accord des éléments suivants. Prêt d'un local dans le centre communautaire situé au 670 rue Laferrière pour la période couverte par la saison des activités 2023. Accès aux toilettes du centre communautaire lors des activités de l'organisme. Location d'une toilette chimique pour toute la saison. Fourniture de services par le service des travaux publics pour le traçage du terrain de soccer ainsi que du petit terrain à 5 situé à l'est du bâtiment de service de la piscine municipale. Merci, c'est appuyé par. J'appuie. Je l'avoue, merci. Jean Pelot à ma gauche. À droite. À l'unanimité. H15, Club de patinage artistique, revue sur place 2023. M. Frenière, bonjour. Considérant que le club de patinage artistique de Berthierville présentera les 29 et 30 avril 2023 son spectacle annuel, considérant l'offre de publicité transmise le 31 janvier 2023 par le club pour l'événement annuel de revue sur glace qui se tiendra à l'aréna Joanny-Rochette, en conséquence, je propose de réserver une publicité dans le cadre souvenir de la revue sur glace 2023 du club de patinage artistique de Berthierville au coût de 250 $ pour un format d'une demi-page, d'accepter l'offre de projection du logo de la ville de Berthierville sur écran géant pour un coût supplémentaire de 25 $. Merci, c'est appuyé par. Appui. Sur la roue, la roue à ma gauche. Adopté à l'unanimité. En I, dépôt de document, aucun document. Rapport de service, aucun. Avis de motion, aucun avis de motion. En L, adoption de règlement. En L1, adoption du règlement numéro 972, règlement concernant la fermeture et l'abolition d'une section de la rue Jacques-Cartier ayant le numéro de lot 6 516 273. Et c'est proposé par M. Destrand. Entendu qu'en vertu de l'article 66 et suivant de la loi sur les compétences municipales, une municipalité a et le pouvoir d'ouvrir ou de fermer un chemin ou une partie de chemin. Entendu que le numéro 6 513 627 n'est pas utilisé pour la circulation routière. Entendu que la fermeture et l'abolition du dilou ne causent aucun préjudice à qui que ce soit. Entendu que le conseil municipal désire procéder à la fermeture du lot portant le numéro 6 513 627 tel qu'il appare à l'annexe A et à la reconcéder par la suite. Entendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 6 février 2023 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance.
Entendu que le document ci-dessous, identifié demeure annexé à la présente résolution, pourra en faire partie intégrante, comme s'il était ici reproduit ou non. En conséquence, je propose d'adopter le présent règlement numéro 972 relatif à la fermeture et à l'abolition d'une section de la majeure partie égale à le numéro du groupe 6 513 125. C'est pas, on ferme pas une rue, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est comme un corridor entre deux maisons. Un tronçon. Un tronçon. Donc, c'est appuyé par Monsieur Lay, rappelez au bas de ma gauche. Adopté, unanimité. Et en L2, Assemblée publique de consultation à règlement relatif à la démolition d'immeubles. Donc, ça nous prend un règlement de, sur la démolition et on est rendu à l'adoption ou à l'explication. Est-ce qu'il y a une explication à donner, madame? Oui, par rapport au règlement de démolition, ça vient dicter tout le processus et puis les conditions applicables pour les demandes de démolition d'immeubles. Et ça s'applique aux immeubles inscrits à l'inventaire du patrimoine bâti et aussi les immeubles ayant un statut légal en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. On parle de classement et de citation de bâti. Et pour le patrimoine bâti, il y a un, registre de ça qui a été émis. Un nouveau registre qui a été déposé dans les derniers mois par la MRC. Donc, qui est disponible en ligne. Oui, qui est disponible en ligne. Puis si vous avez des questions, difficultés à le trouver, bien, vous pouvez toujours nous appeler. Donc, c'était M. Lestrange. Oui. Considérant la volonté des élus d'encadrer la démolition du club sur l'ensemble du territoire, considérant l'obligation en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme de resserrer le contrôle des démolitions pour les municipalités locales, considérant que l'adoption et le maintien en vigueur d'un règlement de démolition par une municipalité locale sont obligatoires en vertu de l'article 148.0.2 et 76 de la loi. Considérant l'obligation de se doter d'un règlement régissant la démolition d'immeubles d'ici le 1er avril 2023, considérant la conformité du règlement au plan d'urbanisme, considérant que le document ci-dessous identifié dans le annexé de la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme s'il était ici reproduit ou non. En conséquence, je propose d'adopter le présent règlement numéro 973 ayant pour titre règlement relatif à la démolition d'immeubles. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Madame Lebrun, j'en appelle au vote à ma gauche. Ah, à ma droite. Adopté à l'unanimité. En M, affaires nouvelles, il n'y a pas d'affaires nouvelles, quoi qu'il y ait. Bien des projets qui s'en viennent. C'est que quand on dit qu'il n'y a pas d'affaires nouvelles, c'est comme si on ne travaillait pas. Madame Dupont, c'est pas qu'on ne serait pas d'accord avec moi. Période de questions. C'est à votre tour, M. Girard. Allez-y. Non, votre question, on va bien. Déjà, on vient d'un truc. Il a mis son manteau. Ben, on a pu parler de la chaloupe. Oh, attends, on en parle après. Il me semble que c'est des vieilles choses. On est donc rendu à la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. M. Darvaux, c'est appuyé par. J'appuie. Appuyé par M. Frenet, on a fait le bout de main. Ah, voilà. Alors, à 20h08.